changement climatique, protéger les plus vulnérables. Face au changement climatique et à ses effets néfastes, 5 régions de la Grande-Île vont bénéficier du projet Amélioration des capacités d'adaptation et de résilience des communautés rurales face au changement climatique dans les communautés rurales. 11 communes de ces 5 régions, Analamang, Atsnanan, Anjoui, Anoussi et Atsimodjevan, sont les bénéficiaires de ce projet pour une durée de 5 ans, de juin 2016 à fin juin 2021. Le projet vise à toucher 3000 producteurs parmi les plus vulnérables, dont 40% de femmes qui bénéficient de formation, d'un accompagnement dans l'utilisation de technologies de gestion de l'eau, de pêche, d'agro-sylvo, pastorales résistantes au climat. L'objectif du projet est de renforcer les capacités d'adaptation et de résilience des communautés rurales vulnérables à faire face aux risques causés par les variabilités et les changements climatiques sur leurs moyens de subsistance, a expliqué Nivoiri Ramarson, directeur du Bureau national de coordination des changements climatiques. Le projet s'articule autour du renforcement des capacités institutionnelles et techniques des ministères et services techniques déconcentrés, en charge de l'agriculture, de l'environnement, des forêts, de l'élevage, de la pêche, de l'eau et de l'assainissement, et de la météorologie, ainsi que les associations, organisations communautaires et les communautés rurales en matière de gestion des risques climatiques. Il s'agit aussi d'apporter des produits techniques et matériels à la Direction générale de la météorologie pour permettre de diffuser des informations agro-météorologiques et hydrologiques fiables.